Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Didacto avec la participation de Récréalire. Alors, nous sommes très très heureux de vous compter très nombreux à ce nouveau webinaire. Nous sommes contents que la thématique vous plaise et nous n'avons aucun doute sur la qualité de ce nouveau webinaire. Donc, je vous laisse arriver puis je vais vous présenter le déroulé de cette heure que nous allons passer ensemble. Alors, je vous laisse arriver, j'espère que vous m'entendez bien, vous me voyez bien et qu'on va commencer tranquillement. Donc au départ, je vais passer la parole à Étienne Prévost qui va vous parler un petit peu de Didacto, comment nous fonctionnons, etc. Puis de Nadège Cru qui est donc responsable pédagogique et formation pour les éditions Récréalire, qui va nous parler de la méthode des alphas. Et là, nous allons passer l'heure avec elle pour qu'elle nous explique comment ça fonctionne, pour qui, comment, etc. Alors, nous avions déjà organisé un webinaire avec Récréalire, ça fait presque 3 ans, mais on s'est dit que il y avait des nouveautés, que certains n'étaient pas à l'époque peut-être concernés, maintenant un petit peu plus, peut-être qu'il y a des changements. Donc, on est très heureux de redonner la parole à Récréalire dans ce cadre-là. Je vous laisse arriver, je vous explique un petit peu. Après Nadège, je vous montrerai sur le site un petit peu où retrouver les produits que Nadège a présentés. Et puis, il y aura aussi un temps de questions-réponses directement avec Nadège. Même si tout au long de ce webinaire, vous pouvez intervenir. Donc, en bas, vous avez un petit bandeau où c'est écrit QR, donc questions-réponses. N'hésitez pas à écrire là vos questions que je lirai tout au long de ce webinaire. En fonction des questions, je pourrais peut-être interrompre Nadège ou je garderai les questions pour le temps de questions-réponses à la fin. Voilà sur la présentation de ce webinaire. Même si vous devez partir avant la fin, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Ce webinaire est enregistré, la présentation de Nadège vous sera envoyée et nous vous fournirons le petit catalogue PDF des jeux présentés ou des produits présentés également. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous demande vos adresses mail pour revenir vers vous avec toutes les informations de ce webinaire. J'espère que tout se passe bien. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que je peux avoir quelques retours de votre part? Par exemple, on va faire un petit tour de France, d'étranger. Dites-moi de où vous nous regardez. Faites-nous un petit peu rêver. Et puis, on va commencer rapidement. Alors. Non, je n'ai pas de réponse. Bon. Personne ne m'écrit. Ah, voilà. J'ai quelques questions, quelques réponses. Alors, nous avons l'Ain, nous avons Bordeaux, nous avons Bouvigny dans les Hauts-de-France, Gap, Paris, le Val-d'Oise, le Calvados, l'Oise, Toulouse, Tours, le Finistère, la Belgique, l'Eure. Très, très bien. Alors, vous me dites que la discussion est désactivée. Je vais regarder ça. Je pense que là, vous pouvez. Je pense que ça, c'était désactivé, que vous pouvez. Ah, voilà, j'ai Maroc de l'autre côté. Nous allons pouvoir donc commencer. Je vais laisser la parole à Étienne. Voilà, Étienne. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire donc consacré à la méthode des alphas. Donc, je suis Étienne Prévost. Certains d'entre vous me connaissent peut-être à travers ces webinaires. Je dirige Didacto et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc vous êtes nombreux aujourd'hui, tant mieux, on a plus de 160 inscrits, même si tout le monde ne sera pas là. Comme Sabine l'a dit, ce n'est pas grave, parce que derrière, on vous enverra tout pour revoir, reconsulter tout ce qui se sera dit durant cette heure ensemble. Mais peut-être que certains d'entre vous découvrent Didacto à cette occasion. Donc, avant de présenter le webinaire du jour et notre intervenante des éditions Récréalire, permettez-moi juste de dire quelques mots sur Didacto. Donc,
Donc, chez Didacto, pas de catalogue papier, pas de magasin, tout est en ligne. On a 2700 jeux et matériels ludo-éducatifs différents qu'on va dénicher auprès d'environ 200 éditeurs différents dans le monde entier. Donc, nous, on ne fait que du jeu. Jeu et outils d'apprentissage, ludique, ludo-éducatif. Du jeu qui soit utile pour les professionnels dans leur activité quotidienne. Donc, il s'agisse d'enseignants de maternelle ou de primaire, de professionnels de la petite enfance, de ludothèque, de médiathèque ou de professionnels de santé comme les orthophonistes ou les psychomotes, par exemple. Donc, si vous avez des demandes de devis, des projets ludiques, des petits ou des grands besoins en jeu pour votre école, votre cabinet ou, pourquoi pas, votre famille, évidemment, nous sommes là parce que chez Didacto, on s'efforce aussi, c'est important à noter, et ceux qui commandent chez nous le savent bien, au-delà de la vente de jeux, d'être un véritable partenaire de la communauté éducative, à travers, par exemple, donc ces webinaires, bien sûr, et également donc plus de 2000 règles de jeu téléchargeables gratuitement depuis notre site, une centaine de fiches et de dossiers pédagogiques. Voilà. Donc, globalement, on essaye d'aider au mieux les professionnels à utiliser les jeux comme un outil d'apprentissage, comme un outil de soin, comme un outil de développement au quotidien. Et enfin, dernier mot pour nous, pour la petite enfance, les crèches, les assistantes maternelles, on a aussi un autre site spécialisé, une entreprise qu'on a reprise il y a quelques mois qui s'appelle Berousse Jeux Éducatifs, qui est une vieille boîte qui date des années 60 avec 2000 jeux spécialisés pour les 0-3 ans. Donc, sachez-le et faites passer le mot. Et maintenant, on passe au sujet du jour, la méthode des alphas. Donc, c'est un sujet intéressant parce que le débat sur les avantages et les inconvénients des différentes méthodes d'apprentissage de la lecture, il est ancien et il est sans fin. Alors moi, je suis plutôt de nature un peu rationnelle, plutôt à l'ancienne, partisan d'une méthode un peu plutôt syllabique. Mais en fait, je suis surtout partisan de ce qui marche, en fait. Et au moment de décider, il y a quelques années, si on devait travailler avec les éditions Écrire à lire, quand on s'est penché en détail sur la méthode des alphas, on a découvert une panoplie d'outils très structurés, très progressives, qui est une méthode syllabique, bel et bien, hein, mais pas du tout une méthode hors sol, où chaque outil a son importance et son rôle, et qui permet, si elle est bien mise en place, de passer en douceur d'une conscience phonémique au principe alphabétique, parce que c'est ça un peu toute la richesse de la méthode des alphas, de commencer par les phonèmes et ensuite d'évoluer. Donc c'est une méthode qui peut être utilisée de la grande section au CE2, globalement. Nadège me corrigera peut-être un peu plus tard, mais j'ai ça en tête. Mais est-ce qu'elle doit être utilisée sur une aussi grande période ou plutôt en début d'apprentissage avant de basculer sur autre chose? C'est une question que certains se posent et que vous pourrez poser à notre intervenante. C'est également, je me permets de le noter, une méthode très intéressante pour les enfants 10, parce que comme les lettres ont chacun une personnalité et une histoire, les enfants les confondent beaucoup moins. Donc, vous le savez, chaque lettre a sa caractéristique. Mais c'est une méthode qui nécessite une mise en place assez précise, qui ne peut pas être travaillée à la va comme je te pousse. Et c'est pour en rappeler un peu les fondamentaux donc, que nous avons voulu mettre en place ce webinaire cet après-midi en partenariat donc avec les éditions Écrire à lire. Et on remercie, bien entendu, Nadège Cru, notre intervenante, qui est donc responsable de la pédagogie et des formations chez Écrire à lire. Donc, elle sait un tout petit peu de quoi elle parle. Nadège va être là pour évoquer tout ça avec vous, vous présenter la méthode et bien sûr répondre à toutes vos questions durant cette heure passée ensemble. Donc, je ne m'attarde pas davantage, je lui passe la parole. Merci Nadège, merci à tous et bonne heure en notre compagnie. Bonjour, merci à vous pour votre accueil, merci beaucoup Sabine, merci beaucoup Étienne pour cette organisation et pour cette invitation. Je ne sais pas si on voit bien mon écran, parce que je crois que le partage a été enlevé. Est-ce qu'il faut que je réactive? Oui. Il faut le réactiver. Oui, là on ne voit que vous. Est-ce que ça va mieux? Voilà. Tout va bien. Ben, c'est parfait. Si tout le monde voit bien, si tout le monde entend bien, c'est parfait. On va pouvoir démarrer. Donc, comme vous l'avez compris, je suis responsable pédagogie et formation pour les éditions Récré à lire. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le fonctionnement de la gamme professionnelle qui a vraiment été pensée pour les besoins des professionnels de la transmission des savoirs. Donc, vous allez voir que tous les outils sont pensés afin de pouvoir
appliquer chaque compétence inhérente à l'apprentissage de la lecture à travers des processus de jeu, d'apprentissage spontané, avant de passer ensuite à l'application écrite. Donc, notre objectif, ça va être, dans un premier temps, de voir les principes pédagogiques de la méthode, son fonctionnement, et ensuite de voir l'application concrète des compétences travaillées à travers notre panel d'outils. Donc, dans un premier temps, nous revenons sur les principes et les atouts pédagogiques de la méthode de lecture Les Alphas. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est une méthode qui a été construite à l'écoute des enfants, c'est-à-dire qu'elle a été pensée par Madame Claude Huguenin, qui était enseignante spécialisée dans la remédiation des troubles du langage écrit. Donc, pendant 30 ans, plus de 30 ans dans son cabinet, elle a imaginé la lecture, l'apprentissage de la lecture, à travers une méthode qui était pensée pour les enfants, construite avec les enfants, à leur hauteur, selon leurs besoins, en fonction des constats, des difficultés qu'elle pouvait établir dans son cabinet auprès des enfants qu'elle avait en consultation. Donc, elle a vraiment été adaptée pour les enfants. Et c'est une méthode phonémique, exclusivement phonémique, qui prend avant tout appui sur le langage oral. Donc, nous verrons que, contrairement aux méthodes syllabiques, l'idée, ça ne sera pas d'apprendre de façon isolée à déchiffrer une syllabe en dehors du contexte d'un mot, mais bien de prendre l'apprentissage de la lecture à sa base par l'écoute et la décomposition sonore des mots et des lettres. Donc, c'est une méthode qui prend avant tout appui sur le langage oral, qui est le seul prérequis avant d'entamer l'apprentissage de la lecture avec les alphas. Donc, c'est une méthode qui a deux objectifs initiaux afin d'entamer l'apprentissage. C'est tout d'abord la conscience phonémique. Donc, qu'est-ce que la conscience phonémique? C'est d'abord prendre conscience que le langage parlé est composé de petites unités sonores appelées sons, donc appelées techniquement dans un langage plus professionnel les phonèmes. Parce que les enfants n'ont pas la même capacité d'abstraction que les adultes, et alors qu'il est facile pour nous de pouvoir décomposer et isoler tous les sons qui composent un mot, pour les enfants, c'est une compétence toute nouvelle qui a besoin de beaucoup de travail afin d'être bien mise en place, parce que ce n'est pas évident de pouvoir comme ça désolidariser, décomposer chaque son à l'intérieur d'un mot pour prendre conscience de leur existence propre. Donc, c'est d'abord la première compétence. Et une fois que celle-ci est mise en place, l'objectif, c'est la compréhension du principe alphabétique, c'est-à-dire le fait de prendre conscience que chaque son isolé a une correspondance graphique, visuelle, c'est-à-dire une correspondance avec des lettres. Et c'est donc ce lien entre son et lettres qu'on appelle le principe alphabétique. Et c'est donc ce lien entre son et lettres qui composera vraiment les bases de l'apprentissage de la lecture et la réussite du processus. Donc, c'est vraiment ces compétences qui sont fondamentales qu'il faut bien mettre en place dès le début de l'apprentissage. Donc, revenons sur l'atout et la spécificité de la méthode des alphas, à savoir les personnages. Comme vous le voyez sur l'infographie à droite, il est particulièrement aisé de confondre entre eux les caractères minuscules script de l'alphabet, car tout leur aspect est très semblable en fonction de la hauteur des barres et de l'orientation des barres en fonction du cercle central de part et d'autre, ou le fait de prolonger un pont. Vous constatez qu'il est facile de pouvoir confondre entre eux les caractères minuscules script de l'alphabet. C'est la raison pour laquelle Madame Claude Huguenin a décidé de partir de ces correspondances graphiques-là afin de construire les personnages des alphas, puisque ce sont les caractères que les enfants vont être amenés à lire, mais également les caractères qui vont être susceptibles de faire l'objet de confusion, dont, non seulement entre les lettres, mais aussi entre les correspondances son et lettres. Donc, les alphas ressemblent à des lettres minuscules script, et vous allez voir que parmi les personnages des alphas, il existe deux familles, la famille des voyelles et la famille des consonnes. Donc, quand vous prenez la famille des consonnes, vous remarquez qu'à chaque fois, les personnages ressemblent à des figures un peu connues des enfants. Vous avez ici une quille, vous avez ici une toupie, vous avez différents objets, vous avez ici une dame. Voilà, donc ce sont des choses assez concrètes, assez figuratives que les enfants peuvent reconnaître aisément. Oui. Excusez-moi, je voulais juste m'assurer, avoir un petit retour de notre public, ou juste m'assurer qu'ils voyaient bien votre écran.
Juste, est-ce que quelqu'un peut me dire que vous voyez bien l'écran de Nadège et Nadège? Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit retour pour juste m'assurer? Oui, bon ben voilà, c'est tout. C'était, Ah, excusez-moi, très bien. vraiment m'assurer que vous voyez donc bien Aucun Nadège problème. et l'écran pour tout bien voir. Parfait, excusez-moi. J'avais peur qu'il y ait un problème. Bon, si tout va bien, tant mieux. Non, 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 c'était juste préféré me, voilà, m'en assurer. Désolée de vous avoir interrompu. Aucun problème, ne vous inquiétez pas. Donc, parmi ces personnages de la famille des consonnes qu'on retrouve, vous avez notamment la fusée, qui est l'emblème de la méthode. Vous avez notamment ici le robinet, par exemple. Ces deux phonèmes, donc ces deux personnages, s'appellent la fusée et le robinet. Et quand vous allez les présenter aux enfants, vous allez les présenter en prolongeant le phonème de départ de chaque nom. Donc ici, vous avez par exemple la fusée, et ici, vous avez le robinet. Et c'est donc ce prolongement de phonème qui va permettre le développement intuitif, instinctif de la conscience phonémique en faisant le lien d'abord entre l'aspect du personnage, son nom, ses caractéristiques, puis le son qu'il représente. Et donc, petit à petit, à force d'entendre parler de la fusée, du robinet, les enfants feront le lien entre le son et la fusée, et le son et le robinet. Et c'est comme ça que petit à petit, les enfants associeront bien chaque son au personnage, puis à la lettre correspondante. Donc, c'est comme ça que se met en place la conscience phonémique. Et vous avez en parallèle la famille des voyelles, avec par exemple ici, Monsieur O, Monsieur A, j'ai vu aussi quelque part passer Mademoiselle U, et donc vous verrez que ces voyelles ont, tous des, ont toutes des mots, des noms de Monsieur, Dame, et donc c'est l'alliance de ces différentes familles qui va permettre petit à petit la composition de mots et ensuite le déchiffrage dans un premier temps à l'aide des personnages des alphas. Ces personnages-là sont introduits à travers un conte que je vais vous présenter juste après qui s'appelle La planète des alphas et qui est une histoire captivante qui permet à l'enfant d'entrer naturellement dans l'apprentissage en s'éloignant un petit peu du monde un peu impressionnant des livres et pour rentrer progressivement dans un apprentissage spontané, enrobé, on va dire, d'un contexte rassurant, d'un univers narratif qui est épanouissant pour les enfants et qui est aussi sécurisant pour eux. Et vous verrez au fur et à mesure de la pédagogie que ces référents des alphas, donc les personnages, sont présents tout au long de l'apprentissage afin de constituer un repère rassurant pour l'enfant et qu'il puisse continuer à progresser sereinement dans le déchiffrage après des correspondances plus complexes de la langue française. Donc, pour résumer les atouts de la méthode des alphas, nous pouvons dire que c'est une méthode ludique avec un apprentissage par le jeu. Vous vous rendrez compte que pour chaque compétence travaillée, chacune d'entre elles se travaille avant tout par le jeu avec une approche ludique, des outils concrets et qui sont faits ensuite pour être répétés aussi longtemps que nécessaire afin que l'enfant puisse bien assimiler les compétences travaillées. Donc, c'est une motivation aussi du côté de l'enfant qui se travaille grâce à l'attachement au personnage et c'est ce qui permet aussi de faciliter l'engagement de l'enfant tout au long de l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle nous recommandons vraiment le plus possible de pouvoir terminer l'apprentissage complet de la lecture avec les alphas afin de pouvoir optimiser les avantages et les bénéfices que vous avez construits en année de grande section, par exemple, jusqu'à la fin de l'apprentissage. Donc, c'est une méthode qui est aussi inclusive parce que vous le verrez, tous les jeux ont été conçu pour correspondre à tous les enfants. Il a été prouvé à travers les différents retours que nous avons reçus du terrain que c'était une méthode qui fonctionnait pour tous les enfants, pour tous les types de difficultés. Il a même été montré que c'est une méthode qui fonctionnait pour les enfants qui avaient des retards intellectuels. La seule variable d'ajustement, ça va être la durée d'acquisition des compétences au fur et à mesure de l'avancée dans l'apprentissage. Vous verrez que chaque jeu a été conçu pour être répété jusqu'à ce que l'enfant ait acquis la compétence travaillée. Et il s'agit de la seule condition avant de passer à l'étape suivante. Il n'y a pas de calendrier imposé avec les alphas. Le seul objectif, c'est de respecter le rythme de l'enfant, de ne pas aller trop vite, de laisser l'enfant s'installer dans ses compétences, dans ses connaissances, de le laisser se faire confiance afin de s'adapter à lui et d'avancer à son rythme. Et vous verrez que donc, si vous respectez cette condition-là, surtout si vous passez du temps sur le développement de la conscience phonémique, le principe alphabétique, les premières étapes de la méthode, vous en garantissez en réalité la réussite auprès de tous les élèves. Et puisque c'est une méthode qui fonctionne pour tous les enfants, pour les enfants en difficulté, elle fonctionnera forcément pour tous les enfants. Donc, c'est une méthode qui est vraiment adaptée
à tous. C'est une méthode rapide puisqu'on arrive rapidement sur une compréhension efficace et assez rapide du principe alphabétique avec cet enclenchement instinctif, spontané dans les apprentissages puisque les enfants se rendent compte malgré eux qu'ils apprennent grâce aux personnages des alphas et au conte La planète des alphas notamment. C'est une méthode concrète puisque vous avez des outils physiques, vous avez des outils palpables, vous avez une méthode qui permet aux enfants vraiment de pouvoir conserver cette immersion dans l'univers des alphas à travers notamment tous les supports visuels que je vais vous présenter. Et donc, c'est une méthode qui permet d'éviter efficacement les confusions visuelles et auditives entre les lettres. Et vous verrez qu'en cela, cela fonctionne très bien. Et c'est également une méthode plurisensorielle, puisqu'à travers l'écoute du son, la manipulation des figurines, la visualisation de l'histoire et des personnages, vous allez pouvoir faciliter l'appropriation de la forme, des noms et des sons de chaque personnage, afin de pouvoir ensuite rentrer facilement dans le déchiffrage des textes écrits en lettres scripts. Et vous verrez comment se passe ce processus à travers les outils que je vais vous présenter. Donc ensuite, présentation des outils pédagogiques et de la progression de la méthode Les Alphas. Donc, pour les professionnels, nous avons une gamme très étoffée avec un panel de compétences qui se déploie de façon chronologique, de façon très structurée et progressive. Donc, tout d'abord, nous avons des outils d'accompagnement que je vais vous présenter juste après, tout vous sera détaillé, avec un livre du maître qui comprend tous les détails de la pédagogie, plus le fichier d'activité, c'est ce qui va vous permettre petit à petit de rentrer dans l'apprentissage vous-même et dans la méthode des alphas à travers la mise en œuvre de chacune de vos séances. Vous verrez que c'est un support qui est aussi complétable à l'aide des cahiers de gommettes. Et la nouveauté sur laquelle j'insiste, c'est la formation en ligne que nous proposons et qui permet vraiment d'entrer dans la méthode efficacement à travers de nombreux outils parlants et de nombreuses démonstrations vidéo notamment, ce qui va vous permettre d'accélérer votre appréhension de la méthode des alphas, des séances à mettre en œuvre de façon rapide, surtout pour gagner du temps sur la lecture de livres du maître qui est quand même un outil très dense. Donc ensuite, au niveau de la progression pédagogique, vous retrouvez le niveau 1 avec le développement de la conscience phonémique et la compréhension du principe alphabétique. C'est un niveau très dense parce qu'il commence avec les deux premières étapes par l'introduction, l'immersion dans l'univers des alphas, la prise de connaissance des personnages, la méthode de lecture en elle-même à travers le livre du conte notamment. Et ensuite, vous terminez avec l'étape 3, par la transition entre les personnages et les lettres et l'amorce des premiers déchiffrages de textes courts à travers des recueils, donc des supports de lecture adaptés. Donc tout ça, ce sont les compétences du niveau 1. Et ensuite, quand vous regardez le niveau 2, vous rentrez cette fois-ci dans le détail des autres correspondances de la langue française avec un travail plus détaillé autour des correspondances de plus en plus complexe et de moins en moins courante dans la langue française. Donc, on commence d'abord par bien asseoir le principe de déchiffrage et ensuite, on rentre avec des outils adaptés dans le déchiffrage des correspondances graphophonologiques plus complexes avec OU, EN, ON, UN notamment. Et ensuite, dans le niveau 3, on entame vraiment le détail des dernières correspondances restantes avec notamment les différentes façons d'orthographier certains phonèmes, comme les phonèmes O, ON, etc. Et on termine par les trigrammes un peu complexes du type IE et IAN, et ensuite avec les changements de prononciation du C, du G et du S en fonction de leur situation dans le mot. Et vous allez voir à ces étapes-là comment les personnages des alphas aident vraiment l'assimilation de ces compétences. Donc maintenant, la présentation un peu plus détaillée des outils. Donc je vous ai parlé de la formation en ligne. Notre formation en ligne se décompose en sessions mensualisées d'une durée de 2 mois qui commencent le premier jour de chaque mois et à travers 5 modules qui représentent à peu près une dizaine d'heures de formation, vous retrouvez des supports très riches, variés et interactifs avec de nombreuses vidéos de démonstration qui vont vous permettre de vraiment rentrer dans la mise en œuvre concrète de la méthode avec de nombreuses démonstrations proposées notamment par Claude Huguenin, la créatrice de la méthode. Et vous avez à la fin des comptes rendus écrits qui vous permettent de garder une trace de ce que vous avez pu voir dans le parcours en ligne, sachant que nous avons d'excellents retours sur la composition de cet accompagnement qui permet vraiment de vous rendre compte de la façon dont on met en œuvre, dont on introduit chaque outil avec, comme je le disais, un gain de temps important sur l'appréhension
création du livre du maître. Donc, je vous conseille de vous renseigner sur sur ce support d'accompagnement qui est tout nouveau et qui va vous permettre vraiment de pouvoir mieux comprendre comment fonctionne la pédagogie des alphas concrètement en classe. Ensuite, parmi les supports physiques d'accompagnement des enseignants que nous proposons depuis quasiment l'existence de la méthode, ce sont bien évidemment les supports incontournables, des fichiers d'activité et du livre du maître. Donc le livre du maître, c'est le gros livre que vous retrouvez et qui détaille, comme vous le voyez sur le visuel de la diapo, chaque élément qui constitue une séance d'apprentissage. Donc vous retrouvez sur un bandeau à droite, à gauche de chaque page, le détail de chaque élément avec les outils, la durée, les modalités de mise en œuvre et bien sûr à chaque fois la compétence travaillée, les objectifs, le déroulement précis. Donc cela vous permet de savoir exactement comment vous allez mettre en œuvre la pédagogie des alphas quotidiennement dans votre classe et que vous puissiez comme ça choisir les séances que vous allez mettre en œuvre selon ce que vous constatez chez vos élèves, selon les compétences que vous voulez travailler afin de les faire progresser dans la méthode et afin de pouvoir mettre en œuvre la plupart des séances qui sont détaillées ici, vous avez le fichier d'activité qui est le gros classeur avec à l'intérieur l'ensemble des fiches photocopiables qui vont vous permettre de mettre en œuvre la pédagogie des alphas organisée par intercalaire selon les niveaux de la progression pédagogique que je vous ai présentée précédemment. Vous avez également des intercalaires exclusivement concentré sur les processus d'évaluation avec les fiches d'évaluation. Donc vraiment, vous êtes accompagné de A à Z avec tous les supports nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la pédagogie des alphas dans votre classe, sachant que la grande majorité des fiches que vous voyez dans ce fichier avec des supports photocopiables sont complétables avec des cahiers de gommettes qui existent en deux exemplaires. Donc, le fichier d'activité qui est ici, avec les cahiers de gommettes complétables. Les cahiers de gommettes existent en deux exemplaires, en deux versions plutôt. La version grande section, la version CP. La version grande section permet exclusivement de compléter les fiches relatives aux séances travaillées en grande section. C'est la raison pour laquelle il sera un petit peu plus fin, puisqu'il contient beaucoup moins de choses que dans la version CP, qui contient l'intégralité des gommettes pour compléter toutes les fiches qui doivent être complétées dans le fichier d'activité qui sont présentes dans ce grand classeur, car cela permet aux enseignants qui commencent la méthode des alphas en CP de pouvoir couvrir l'ensemble de la pédagogie, de la découverte de l'univers des alphas, jusqu'au déchiffrage des dernières correspondances. Voilà. Et ensuite, une fois que vous êtes équipé du matériel d'accompagnement nécessaire afin que vous sachiez comment mettre en œuvre la pédagogie des alphas dans votre classe, vous allez pouvoir introduire auprès de vos élèves la connaissance des personnages et l'entrée dans l'univers des alphas à travers un outil qui est incontournable et qui s'appelle le grand livre du conte, la planète des alphas. Donc vous le voyez, c'est un grand format adapté aux contraintes de la classe afin de pouvoir être vu de loin. Un grand format spirale avec à l'intérieur une pochette qui contient le DVD de la version visuelle, donc dessin animé du conte que vous voyez à la diapo, également un DVD, un disque audio plutôt de la version narrée du conte à l'oral, mais également le livret pédagogique qui contient les textes correspondants aux images. Puisqu'à l'intérieur, vous constatez qu'il n'y a pas de texte, que l'image prend toute la page afin que les enfants puissent se concentrer sur l'univers visuel des alphas sans être parasités encore par les enjeux de déchiffrage des textes. Donc, c'est vraiment important de le savoir. Vous avez aussi également à l'intérieur de cette pochette le poster de présentation des personnages que vous voyez derrière moi. Et sur les premières pages, dans le cas où vous n'auriez pas de lecteur CD, vous avez également des QR codes qui vous donnent accès aux versions dessins animés et audio du conte La Planète des Alphas, ce qui permet vraiment à vos élèves de pouvoir revisualiser le conte, réentendre le conte aussi longtemps et autant de fois que nécessaire afin de bien connaître les personnages et de pouvoir bien rentrer dans l'univers des alphas. C'est une étape sur laquelle nous insistons, nous conseillons souvent d'y consacrer plusieurs mois afin que les enfants puissent bien connaître les personnages et associer chaque nom à chaque son,
parce que c'est vraiment la garantie de l'installation de la conscience phonémique et c'est une étape indispensable. Il a été montré que plus les enseignants passaient du temps sur cette étape, plus la méthode fonctionnait. Donc, nous vous conseillons vraiment de vous attarder sur la connaissance du compte et le développement de la conscience phonémique, qui est quand même une condition importante pour bien réussir cet apprentissage et l'avancer dans la lecture avec les alphas. Voilà. Donc, vous avez introduit la planète des alphas, l'univers des alphas. Vous avez raconté l'histoire de Olibrius qui se transforme en petit malin, qui arrive à lire grâce aux alphas et qui débarque sur la planète afin de sauver les personnages des alphas de la méchante sorcière Furiosa. Donc, sachez que tous ces ressorts narratifs-là, que tous ces éléments racontés par l'intermédiaire de la planète des alphas, vous pouvez également le mettre en œuvre à travers cet outil qui est la boîte « Ma collection des 60 figurines des alphas » avec à l'intérieur des figurines en PVC sans phtalates qui vont vous permettre en toute sécurité de pouvoir mettre en œuvre des exercices de manipulation avec vos élèves. Donc, tous ces exercices sont détaillés à travers des vidéos qui sont proposées dans la formation en ligne et qui permettent vraiment, par des exercices communs, soit en grand groupe classe, soit en atelier, de pouvoir composer des mots, mieux connaître les personnages et instaurer les premiers exercices de déchiffrage à travers justement le conte La planète des alphas et ce travail entre caractéristiques, aspects des personnages et son correspondant. Donc, vous avez les personnages des alphas, mais enfin, afin d'aller au bout de cette démarche de manipulation, vous avez également les personnages du conte, parce que vous le savez, dans la planète des alphas, vous retrouvez les personnages des alphas, mais vous avez également la fée, vous avez Petit Malin, vous avez la méchante sorcière Furiosa, vous avez des bêtas, etc. Donc, vous avez toutes ces figures-là qui peuvent aussi servir de cadre à la narration, à vos exercices de manipulation. Et sachez que ces figurines ont fait l'objet d'une refonte l'année dernière. Vous vous souvenez peut-être des anciennes versions en plastique. Aujourd'hui, nous vous proposons une version en bois, allégée, plus solide, plus économique, avec des dessins qui ont été refaits par notre illustrateur Thomas Tessier. Vous voyez que ce sont des figures très légères et qui, grâce à leur socle, peuvent tenir debout facilement. Et donc, c'est une version très prisée des enseignants qui leur permettent de pouvoir garder plus longtemps ce type de matériel dans le temps, sans casse et sans détérioration matérielle rapide. Voilà. Donc, cela vous permet de mettre en œuvre les exercices de manipulation, sachant que vous avez un dernier élément qui sert également de cadre et d'outil pour vos exercices de démonstration en classe, ce sont les grands alphas magnétiques. Donc, les 60 grands alphas magnétiques, ils sont quand même très utiles pour vos exercices de démonstration en classe, car vous avez des grands formats magnétiques qui sont présents sur des grands panneaux comme ça. Vous les détachez et cela permet de façon visible au tableau de pouvoir montrer à vos élèves des exercices de prise de connaissance des personnages, d'association entre le son et le nom de chaque personnage ou encore de mettre en œuvre en grand groupe classe des principes pédagogiques, des outils que je vais vous présenter juste après. Donc, ce sont vraiment des outils de démonstration très prisés et très utiles dans la classe que vous pouvez également scénariser avec les outils de manipulation que je vous ai présentés précédemment comme les figurines des personnages du conte notamment. Voilà, donc une fois que vous avez passé plusieurs mois sur la découverte du conte, la découverte des personnages, les exercices de manipulation, de prise de connaissance des personnages, vous allez pouvoir commencer le premier travail phonologique à travers un outil qui est vraiment très important dans la pédagogie des alphas et qui s'appelle Mon loto des alphas. Donc, mon loto des alphas, cela va permettre de façon plus individualisée en atelier ou de façon autonome chez les élèves de pouvoir mettre en œuvre le principe de segmentation phonologique que vous avez vu au tableau dans la diapositive juste avant. Parce que cela va vous permettre de pouvoir, selon une progression très précise, faire en sorte que les enfants comprennent et puissent déchiffrer leurs premiers mots. Donc, vous avez vu que la boîte était quand même très grande. À l'intérieur, vous retrouvez des grands carton imprimé en recto
qui représente à chaque fois un dessin avec une série de wagons. Cela va permettre aux enfants de pouvoir écouter le mot représenté, de placer à l'intérieur les alphas correspondants afin de pouvoir rentrer dans les premiers exercices de déchiffrage et de segmentation. Là, par exemple, ils comprennent qu'ils doivent composer l'équivalent du mot « rat ». Ils entendent que dans le mot « rat », il y a le « r » de robinet et le « a » de monsieur A. Donc, ils vont placer à l'intérieur des wagons les jetons alpha correspondants, donc vous voyez, ils sont dans les cartons juste ici. Et c'est ensuite ce travail de composition qui va permettre de rentrer dans le développement de la conscience phonémique. Vous remarquez que dans le dernier wagon, on voit ici, en version un peu atténuée, estompée, la toupie, donc qui est la lettre muette à la fin du mot. Sachez que chaque lettre muette est présente à la fin du mot pour des soucis de respect orthographique. Et là, les enfants comprennent qu'à chaque fois, ce sont des alphas qui sont présents, mais que l'on n'entend pas. Voilà. Donc, vous avez à l'intérieur donc beaucoup de cartons avec plus de 50 fiches illustrées selon un code couleur qui représente différents niveaux de difficulté. Et vous avez également ce livret pédagogique qui va vous détailler à chaque fois le détail de chaque série avec la retranscription écrite de tous les mots à déchiffrer. C'est un outil indispensable parce qu'il va permettre non seulement le développement de la conscience phonémique et le fait de pouvoir entendre chaque son les uns après les autres, mais il va permettre petit à petit d'introduire de nouveaux alphas. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, dans le conte La planète des alphas, vous n'avez pas tous les alphas introduits. Vous avez seulement les 16 premiers personnages qui correspondent aux voyelles et aux consonnes longues. Donc, les consonnes longues, ce sont les consonnes que l'on peut prolonger et que l'on entend le plus facilement dans la langue française. Par exemple, il est facile d'introduire le F et le R, car on peut prononcer la fusée et le robinet. Par contre, si on veut prononcer le son de la dame, c'est un son court qu'il est difficile à identifier dans un premier temps. Donc, on ne présente pas ce genre de personnage dans le conte. Ils viennent par la suite à travers cet outil qui s'appelle le loto des alphas et qui va être introduit à travers la série. Dès la série 2, en réalité, vous allez voir l'apparition des consonnes courtes avec à chaque fois les consonnes courtes qu'on va retrouver d'abord en position finale, là où on les entend le mieux, puis en position médiane et initiale, afin de pouvoir travailler leurs différents positionnements dans le mot. C'est la façon dont on introduit les nouveaux personnages. Sachez que pour ces personnages-là, ainsi que pour les correspondances qui vont suivre, il n'existe pas de dessin animé ou d'autres histoires pour les introduire, car comme les enfants ont compris le principe des alphas, ils n'ont pas besoin de ressorts narratifs supplémentaires afin d'introduire les personnages suivants. Ils le font naturellement, ils les accueillent à travers les outils qui arrivent par la suite. Donc, c'est comme ça qu'on introduit les personnages suivants de la pédagogie des alphas, et vous retrouvez une progression qui va s'établir au fur et à mesure des mois selon une progression qui va durer plusieurs mois en parallèle des outils que je vais vous présenter par la suite et qui vont permettre d'introduire des mots de plus en plus longs et de plus en plus complexes à déchiffrer. Donc, on commence par la série 1 avec uniquement les personnages du conte, puis on termine par la série 6 avec des mots qui contiennent toutes les correspondances de la langue française à travers les outils qui vont permettre leur découverte et que je vais vous présenter juste après. Donc, c'est vraiment un exercice indispensable puisque vous remarquerez que donc, la méthode des alphas n'est pas une méthode syllabique, qu'elle est bien phonémique et qu'elle s'attarde à chaque fois sur la façon dont les sons vont se succéder à l'intérieur d'un mot. Donc, on ne travaillera jamais par syllabe, on ne travaillera jamais de façon isolée en essayant d'associer les alphas deux par deux, etc. Mais on prendra à chaque fois un mot, quitte à ce que ce soit un mot très court, dont on décomposera les sons afin de les entendre un par un et de pouvoir analyser dans leur enchaînement le fait de pouvoir les distinguer à l'intérieur d'un mot. Donc, c'est vraiment très important à savoir. Il s'agit bien d'une méthode phonémique où il n'y a aucun travail par syllabe, puisque Claude Huguenin a pu constater dans son travail avec les enfants que ce n'était pas la méthode la plus efficace pour correspondre à tous les types de difficultés. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez bien installé ce principe de découverte de la conscience phonémique du principe alphabétique, vous allez pouvoir passer à un nouvel outil qui va permettre le phénomène de transition entre les personnages et les lettres. Donc, vous allez le voir, pour cette étape-là de la méthode, vous allez à nouveau passer par un ressort narratif.
à travers une histoire qui s'appelle La transformation des alphas et qui va raconter comment la fée va sauver les alphas de la méchante sorcière Furiosa qui espère les capturer au moment où ils font la sieste le soir dans les livres. Donc, vous avez la première histoire. Donc, il y a deux histoires à l'intérieur de ce livre. Sachez que chaque histoire est aussi accessible dans sa version audio à travers un QR code que vous retrouvez sur chaque première page. Donc, la première histoire s'appelle « À la poursuite des alphas » et va expliquer que pour échapper à la méchante sorcière Furiosa qui tente de les capturer, la fée va trouver le moyen de les transformer en un aspect un peu plus abstrait, qui est quand même assez proche de leur aspect de personnage et qui donc est l'apparence de l'être minuscule Crypt. Et c'est ce qui va permettre aux alphas d'être sauvés puisque la méchante sorcière Furiosa ne fera pas le lien entre les personnages et les lettres. Donc, c'est la première histoire que l'on va introduire aux enfants afin d'expliquer de façon concrète et tangible cette transition entre personnages et lettres. Sachez que ensuite vous allez pouvoir alterner avec un autre outil que je vais vous montrer juste après, qui est notamment un jeu de cartes qui va permettre ce travail de transition entre personnages et lettres. Donc, vous allez pouvoir déjà, entre la lecture des deux histoires, mettre en œuvre des scénarios ludiques afin de travailler cette première transition entre personnage et lettre minuscule script. Et une fois que vous avez bien entamé ce premier travail de correspondance, vous allez pouvoir passer à la lecture de la deuxième histoire qui s'appelle « Sauf qui peut » et qui, selon le même fonctionnement que l'histoire précédente, va raconter que la méchante sorcière Furiosa va finir par faire le lien entre les lettres minuscules script et les personnages, et la fée va devoir trouver un autre moyen, une autre apparence pour sauver les alphas, et que donc elle va les transformer en lettres majuscules script, qui est un aspect encore plus éloigné de leur apparence de personnage, et c'est ce qui va expliquer cette transition des personnages aux lettres majuscules script, et c'est ce ressort narratif qui va permettre aux enfants de bien comprendre petit à petit comment passer des personnages aux lettres. Donc vous passez ensuite à la lecture de cette deuxième histoire, et vous allez pouvoir ensuite continuer les exercices de transition entre personnages, lettres majuscules script, tout en mêlant également les lettres minuscules script que vous avez vu précédemment, à travers notamment cet outil donc, que je vous montrais qui s'appelle « Mon jeu de cartes des alphas » et qui comprend 142 cartes avec à la fois les cartes personnages en orange, les cartes script que ce soit minuscules et majuscules, mais également les lettres cursives, minuscules et majuscules. Et donc, vous retrouvez à l'intérieur d'un livret pédagogique présent dans la boîte toutes les explications sur les scénarios ludiques à mettre en œuvre de façon progressive afin d'introduire au fur et à mesure de l'avancée dans leur apprentissage les différents équivalents entre personnages et lettres. Et c'est ce qui va permettre aux enfants petit à petit de rentrer avec assurance dans le déchiffrage de leur premier texte avec exclusivement des lettres. Voilà. Ensuite, les enfants ont bien compris le principe de déchiffrage des sons et justement des lettres. Et ensuite, vous allez pouvoir passer au déchiffrage des correspondances plus complexes. Donc, avec un autre outil qui est en réalité une nouveauté de cette année, car vous vous rappelez peut-être de l'ancienne version. L'ancienne version comprenait uniquement les visuels qui allaient vous permettre d'expliquer le déchiffrage entre les sons ou en ou un, etc., les différents patrons orthographiques de certains phonèmes, mais cela ne comprenait pas les visuels qui expliquaient notamment les changements de prononciation du C, du G et du S en fonction de leur contexte dans un mot. Et maintenant, dans cette nouvelle version qui va sortir le 13 avril prochain, vous retrouverez les trois étapes de la pédagogie des alphas. Donc, vous aurez vraiment l'intégralité des étapes nécessaires afin de pouvoir investir en classe les dernières étapes pédagogiques de la méthode. Donc, à l'intérieur, vous retrouvez un livret pédagogique qui va vous permettre d'expliquer comment mettre en œuvre toutes ces étapes-là, parce que vous avez à l'intérieur le niveau 2 avec, en premier lieu, les scènes mobilisant les alphas qui vont permettre de pouvoir introduire les digrammes. Donc, par exemple, ici, vous avez le son « ou ». Le son « ou » qui est mis en scène par Mademoiselle U et Monsieur O, qui sont dans une grande roue, qui voient un loup qui tombe dans un trou, etc. Et donc, c'est cette mise en scène-là et la récurrence du son « ou » prolongé à chaque prononciation qui va permettre petit à petit aux enfants de bien comprendre la récurrence du son « ou » et qui vont pouvoir petit à petit la reconnaître
reconnaître ce son à la fois de façon auditive puis visuelle à travers des mots écrits, sachant qu'en soutien de ces supports, vous avez toujours le fichier d'activité qui va vous permettre de pouvoir mettre en œuvre des exercices d'entraînement autour de l'identification de ces sons. Donc cela se passe dans le niveau 2 qui est donc qui consiste à déchiffrer ces premiers digrammes, et ensuite vous retrouvez dans le niveau 3 donc les différents patrons orthographiques d'un même phonème. Donc ici nous ne sommes plus dans les scènes que je vous ai présentées jusqu'à présent, mais nous sommes dans ce qu'on appelle les invités des alphas. Donc les invités des alphas, ce sont ces grands posters-là avec une explication simple où on va dire que ici, Monsieur A et le nez qui représentent le son en ont invité des camarades alpha. Comme ces camarades sont très polis, ils vont, une fois qu'ils seront invités par eux, vouloir faire le même son qu'eux. Et que donc ici, Monsieur A est le monstre, Madame E est le nez, Madame E et le monstre, ensemble, vont faire le même son que Monsieur A et le nez qui font le son en. Donc voilà, et ce sont donc ces grands affichages que vous pouvez mettre au mur qui vont permettre aux enfants de se rassurer en ayant toujours sous les yeux les scènes des alphas qui vont leur rappeler comment on lit certains sons, certaines correspondances plus complexes. Et ensuite, à la fin du niveau 3, vous retrouvez également les scènes des alphas qui vont expliquer les changements de prononciation des lettres C, G et S dans certains contextes de mots. Donc ça, ce sont des visuels qu'on retrouvait sur notre formation en ligne mais qui avaient disparu de nos supports physiques, et vous les retrouvez maintenant dans ces supports avec notamment ici le Bulu qui est un farceur et qui décide de gicler de l'eau sur ses camarades, notamment sur mademoiselle, sur Madame I, sur Madame E et sur Monsieur Y, afin de pouvoir non plus faire le son G que l'on lui connaît, mais le son J du jet d'eau. Voilà. Et donc, pareil, de la même façon, quand vos enfants sont prêts, vous pouvez introduire auprès de ces nouvelles scènes, avec une plus-value qui est nouvelle aussi sur ces supports, c'est que vous remarquerez qu'ils ne sont plus brillants. On a enlevé le vernis qui crée un phénomène brillant sur le papier, tout simplement parce qu'on a remarqué qu'en fonction de l'orientation du soleil, cela crée des reflets et ça empêchait la visibilité des scènes au tableau et au mur de la classe. Donc, vous remarquez que non seulement c'est une version améliorée de l'ancienne version existante des posters de référence, mais que également, en plus des 6 posters, vous retrouvez un format qui est optimisé selon les retours de terrain que nous avons reçus. Voilà. Et ensuite, notre grande nouveauté du mois prochain, le 27 avril, c'est le grand retour du jeu des invités. Donc, le jeu des invités, vous le connaissez peut-être. Il y a bien longtemps, nous avions sorti un jeu des invités qui n'avait pas le même format puisque c'était davantage un jeu de plateau. Et c'était justement un jeu qui permettait de pouvoir mettre en œuvre les dernières étapes de la pédagogie avec les invités des alphas, donc les différents patrons orthographiques, et les changements de prononciation du C et du G. Et bien, ce jeu va ressortir dans une version qui a été rafraîchie et améliorée. Le 27 avril, vous retrouverez le jeu des invités selon une nouvelle version qui mobilise davantage des dés et des cartes. Donc, c'est un format qui est davantage adapté aux contraintes du travail en atelier, car de la même façon, nous avons entendu vos retours et nous savons que ce soit les enseignants en groupe classe ou les enseignants spécialisés qui travaillent davantage en atelier individuel, nous savons qu'il est plus pratique pour vous de mettre en œuvre ce genre de compétences à travers des ateliers en plus petits groupes. C'est la raison pour laquelle nous avons sorti un format adapté avec des jeux deux jeux en particulier qui sont compris dans la boîte et qui peuvent être mis en œuvre à travers un petit nombre de joueurs, donc de 2 à 4 joueurs. Et cela va permettre de pouvoir mettre en œuvre de façon interactive et ludique les compétences que vous aurez introduites à travers les posters de référence. Donc vous avez 2 jeux. Un premier jeu qui s'appelle les invités des alphas. Ces invités des alphas vont se mettre en œuvre à travers des cartes à code jaune où vous allez prendre ce premier dé qui représente les scènes des alphas. Donc, vous avez à la fois les scènes des sons complexes, mais vous avez également des scènes où vous retrouvez les alphas seuls en fonction du son mobilisé. Et le principe, c'est que le lancer de dé va vous déterminer un son, une correspondance à reconnaître, et il va ensuite falloir les repérer dans les différents mots
qui seront dans les cartes affichées devant les enfants, sachant qu'au dos de chaque carte, vous avez la signification sous forme d'image afin que les enfants puissent bien vérifier le sens du mot qu'ils ont déchiffré. Et à travers des petits jetons qu'ils vont poser sur les cartes, ils vont pouvoir signaler les mots où ils ont repéré le son désigné par le dé. Donc ça, c'est le premier jeu qu'on appelle les invités des alphas, où vous allez uniquement travailler sur le repérage des différents patrons orthographiques d'un même son. Voilà. Ensuite, vous avez un deuxième jeu qui s'appelle Garogulu et au cornichon, où vous allez travailler les différents changements de prononciation des lettres G et S, toujours selon le même principe, à travers des cartes à code bleu avec des mots et des images sur l'autre face, où les enfants vont pouvoir, avec un second dé qui représente cette fois-ci uniquement les alphas de la famille des voyelles sans monsieur Y, les différents sons représentés. Les enfants vont jeter le dé, vont reconnaître le phonème désigné par le dé sur les cartes à l'aide des jetons, et ensuite ils vont faire le lien entre le phonème qu'ils ont repéré, soit son changement orthographique, et la petite scène représentée sur le poster de référence ici, qui représente à chaque fois les alphas mis en scène et qui vont permettre petit à petit de pouvoir comprendre comment ces alphas peuvent changer de prononciation, de son en fonction des situations. Donc c'est vraiment la grande nouveauté de cette année. Nous savions que vous l'attendiez avec impatience parce que vous nous en avez beaucoup parlé. Donc voilà, le jeu des invités revient et nous espérons qu'ils pourront vous aider à mettre en œuvre ces dernières phases de la pédagogie dans votre classe. Voilà, je termine tout de même avec nos supports d'affichage. Donc, vous voyez ici les personnages des alphas, mais vous avez également de ce côté-ci le grand poster des alphas transformé, qui est aussi très plébiscité par les enseignants parce que vous retrouvez à chaque fois les correspondances des lettres minuscules et majuscules script et minuscules cursives. Et vous avez également nos sous-mains qui sont très, très pratiques pour les enfants afin de travailler quotidiennement la connaissance des personnages et surtout de garder sous les yeux, notamment le même contenu que pour le poster des alphas transformés, avec les différentes correspondances en lettres minuscules script et en lettres minuscules cursives. Voilà. Ensuite, je termine par les supports de lecture, parce qu'une fois que les enfants ont bien compris comment mettre en œuvre le déchiffrage des phonèmes à travers les alphas, vous avez également des supports de lecture adaptés qui reprennent vraiment la même logique que la pédagogie. Donc, vous avez dans un premier temps les recueils de textes que vous allez mettre en œuvre quand les enfants ont fini le niveau 1 de la méthode, et vous retrouvez à l'intérieur des compilations de textes très courts qui vont permettre aux enfants de pouvoir rentrer progressivement dans la lecture. Vous avez des textes en gros caractères, espacés, avec des lettres muettes grisées, des alphas qui prennent la forme des lettres majuscules de début de phrase, et vous avez également un dessin qui est absent de ce côté-ci de la page, parce que l'atout des recueils de texte, c'est que l'illustration correspondant au texte lu se situe au dos. Cela va permettre aux enfants de se concentrer sur le sens de ce qu'ils lisent, puis de tourner la page en vérifiant le sens de ce qu'il a lu. Et vous avez également ici un cache qui va permettre de pouvoir cacher l'illustration afin de se concentrer sur le déchiffrage de la page d'après. Et c'est grâce à ces niveaux, ces supports aérés, adapté à la progression pédagogique des alphas, que vous allez pouvoir entraîner petit à petit les enfants au déchiffrage des textes. Donc, vous avez un niveau 1 qui comprend des sons simples, donc qui sont les sons représentés par une seule lettre, avec petit à petit, dans le volume 2, des sons, en tout cas des textes, de plus en plus longs et de plus en plus complexe à comprendre. Donc, si vous voulez vraiment développer cette phase d'entraînement, vous pouvez acheter les deux volumes, sachant qu'une fois que vous avez introduit les sons complexes, vous allez pouvoir passer au niveau 2, avec toujours selon le même principe, des textes qui sont toujours aérés et des codes couleurs qui vont mettre en évidence les sons, donc les nouveaux digrammes à déchiffrer de façon claire et évidente, avec toujours le respect de la progression pédagogique des alphas. Donc ça, ce sont les supports d'entraînement indispensables à connaître afin de bien s'entraîner au déchiffrage. Et ensuite, une fois que vos enfants sont habitués à bien lire avec les alphas, vous avez également la collection Apprendre à lire, qui est une série de livres donc de première lecture avec uniquement une histoire par ouvrage, avec des thématiques attractives pour les enfants et des niveaux de difficulté progressifs avec début CP, milieu CP et fin CP, avec au début CP exclusivement des sons simples,
toujours le même principe de texte aéré, de gros caractères, de code couleur. Et selon le même principe, vous retrouvez également au milieu CP les sons simples, mais également des sons complexes, toujours avec le même principe de code couleur. Et vous retrouvez pour la fin CP des principes de toujours les correspondances avec les sons simples, les correspondances complexes, les différents patrons orthographiques d'un même phonème et également les changements de prononciation des lettres C, G et S avec des textes de plus en plus longs à lire. Donc, les atouts de cette série d'ouvrages, c'est vraiment à la fois la mise en page aérée, les codes couleurs qui aident à la lecture et vous retrouvez également, surtout à la fin des ouvrages début CP, des questions de compréhension qui permettent à la fois de s'assurer que les élèves ont bien compris le sens de ce qu'ils ont lu, mais également des questions de culture générale autour de la thématique du livre. Et vous retrouvez toujours à la fin du livre un cache qui va permettre de pouvoir dissimuler l'illustration afin que toujours l'élève se concentre sur le sens de ce qu'il a lu. Voilà, donc nous avons des nouveautés qui sont très attractives avec des thématiques très plébiscitées par les enfants, notamment Gare aux dinosaures qui est sorti l'année dernière et que les élèves et les enfants adorent. Donc, c'est vraiment des supports de lecture indispensables à avoir dans la bibliothèque de votre classe. Voilà, j'ai fini la présentation des outils. Sachez également que nous allons mettre en œuvre sur le site de Didacto une opération avec des cadeaux, c'est-à-dire que pour toute commande passée sur le site de Didacto avec une référence des alphas achetée, vous recevrez en cadeau un petit tampon encreur qui est déjà très populaire auprès des clients qui ont pu en bénéficier. Et vous retrouvez aussi cet accessoire-là pour toute commande dans la limite des stocks disponibles, sachant que c'est une opération qui va avoir lieu très prochainement. Je laisserai Étienne un petit peu détailler cet aspect-là. Et donc, c'est un accessoire qui est assez plébiscité par les enfants parce qu'ils adorent pouvoir continuer à prolonger leur expérience et leur immersion dans l'univers des alphas, notamment à travers les objets qu'ils peuvent retrouver à l'école ou à la maison. Donc, c'est un petit objet qui fait un petit plus pour... en plus des bénéfices que vous retrouverez dans les références que vous pourrez vous procurer. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser à nouveau la parole à Sabine et à Étienne et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Nadège. On va vous laisser reprendre un petit peu votre souffle. Merci. Reprendre un petit peu la parole et comme ça, on va vous laisser quelques instants pour reprendre votre souffle. Et puis moi, je vais aller sur le site de Didacto pour vous montrer un petit peu comment et où retrouver tous nos produits, tous les produits Récréalire. Donc, le site de Didacto, j'imagine que vous le connaissez bien parce que vous êtes arrivé sur ce webinaire. Donc, c'est peut-être par ce biais que vous avez connu l'existence de ce webinaire. Donc là, nous avons tous nos jeux, école, jeux par matière, et là par les matières, nous avons les mathématiques, le français, et donc juste sous le français, nous avons la méthode de lecture, la méthode des alphas, où là vous allez retrouver tous les produits que Nadège vient de présenter. Que Nadège vient de présenter. Et là, sur le site, vous allez tout retrouver. Nous allons reprendre. J'ai noté les questions que j'ai eues. Il y en a certaines qui ont été posées. Et aussitôt derrière, on me dit ah, ben, j'ai eu la réponse. Parce que ben, voilà, dans les quelques phrases suivantes, Nadège répondait. Est-ce qu'on avait par exemple, comme question, est-ce qu'il existe des petits livres qui peuvent être lus de manière autonome par l'enfant? Eh bien, oui, tout à fait. Et Nadège répondait juste derrière. Donc, même pas besoin de reprendre la question. Et puis, on va reprendre, je vais relire là les quelques questions que j'ai eues. Et puis, on va aussi, là, vous avez l'occasion d'intervenir et que je les pose en direct. J'avais une question, je vais reprendre ça. Pardon. J'ai quelqu'un qui me dit des collègues commencent les alphas en moyenne section avec le compte. Quand est-il le plus judicieux de commencer en moyenne section, en grande section et à quelle période commencer, que ce soit en moyenne section ou en grande section? Alors, la pédagogie des alphas, comme vous l'avez vu, elle est vraiment faite pour accompagner dès les premières étapes de l'apprentissage de la lecture jusqu'à la fin. Donc, de façon conventionnelle, on préconise de commencer en début de grande section, puis de terminer fin CP quand l'apprentissage de la lecture arrive à son terme.
Après, en fonction des besoins et des attentes des enfants, il est toujours possible de moduler un petit peu cette progression-là. C'est-à-dire qu'on sait que la méthode des alphas fonctionne très vite et qu'elle imprègne très tôt les enfants, même quand ils ne sont pas encore en grande section, parce qu'on sait que beaucoup de classes sont des classes multiniveaux et que donc les enfants plus jeunes évoluent dès le départ dans l'univers des alphas, qu'ils entendent un petit peu ce qui se passe en grande section. Donc en fait, très souvent, ils arrivent en grande section et ils connaissent déjà le conte par cœur et les personnages par cœur, bien souvent. Donc ce que l'on recommande de faire pour les enfants qui veulent rentrer vite dans l'apprentissage de la lecture, c'est éventuellement de commencer la phase, donc les tout premiers mois de prise de connaissance des personnages et de l'univers des alphas, fin de moyenne section. Voilà. Donc, fin de moyenne section, vous pouvez commencer par introduire le conte, introduire les personnages, montrer les caractéristiques, etc. Ne pas aller au-delà de la découverte du conte, éventuellement des petits jeux de manipulation, de prise de connaissance des personnages, mais ne pas aller au-delà, fin de moyenne section. Tout simplement parce que si vous commencez vraiment à aller au-delà, la fin de l'année arrivant, vous allez couper une dynamique qui va être plus difficile à reprendre. Alors que si vous continuez après, vous reprenez début de grande section et que les enfants connaissent bien l'histoire et les personnages, cela va vous permettre d'avoir une base solide pour après travailler les caractéristiques suivantes et pouvoir gagner du temps ou en tout cas commencer avec une base plus solide pour construire la suite des apprentissages. De la même façon, l'avantage et le gros atout de la gamme des alphas, c'est que chaque compétence est associée à un outil et que donc chaque compétence peut être travaillée de façon isolée selon l'outil correspondant. Et donc les alphas peuvent aussi se retrouver en CE1 dans des ateliers de remédiation où on se rend compte qu'il y a de grosses lacunes dans l'apprentissage de la lecture et qu'il y a des compétences ciblées à retravailler afin de faire en sorte que l'apprentissage de la lecture soit bien assimilé par les enfants. Donc, en général, on retrouve les alphas en atelier de remédiation en CE1, ça peut arriver. Après, il n'est pas aussi étranger que depuis la crise sanitaire et le fait que les enfants aient eu un apprentissage très lacunaire de la lecture pendant ces années-là, qu'il existe également des élèves de CE2 qui ont des grosses lacunes dans l'apprentissage de la lecture. Donc, sachez que les alphas peuvent aussi être utilisés dans ce cadre-là. On connaît même des adultes qui sont enseignants donc de FLE, donc français langue étrangère, qui utilisent en partie les alphas pour faciliter le déchiffrage de la langue française avec les termes que nous connaissons dans notre alphabet, surtout pour les cultures très éloignées de la culture française. Donc en réalité, les alphas s'utilisent vraiment dans de nombreux contextes. Merci beaucoup pour cette réponse très concrète, très complète, parce que justement, ben voilà, la question suivante, c'était la méthode est-elle travaillée jusqu'en CE1 ou s'arrête en CP? Mais là, voilà, la réponse vient d'être donnée. Merci, Nadège. J'ai même Géraldine qui complète ça en disant, moi, j'ai même commencé avec mes CP pour qu'ils connaissent les personnages et ma collègue de moyenne section poursuivra avec les chants des alphas et les formules magiques. Donc là, c'est vraiment C'est super. Une vraie continuité, un vrai début, une vraie continuité pour bien commencer sur les alphas. J'ai une petite question concrète, on voulait un petit peu plus de détails sur la formation qui était proposée, c'était comment s'inscrire et savoir si c'était gratuit. Alors, la formation en ligne, on peut s'inscrire sur notre site internet, donc www.editionrecrealire.com. C'est une session qui coûte 70 € pour un accès pendant 2 mois à l'intégralité des modules de formation. Je vous avoue que c'est un dispositif que l'on ne peut pas proposer gratuitement, malheureusement, parce qu'il a été très coûteux à mettre en œuvre, mais c'est un format de formation qui reste quand même avec un tarif très, très accessible par rapport à ce type de format et au prix du marché qu'on retrouve en général pour ce type d'accompagnement. Donc, on est encore sur l'offre découverte là pendant 1 mois. Et sachez qu'au 1er avril, pour la session de mai, on va passer au tarif ordinaire, donc au tarif permanent de 90 €. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, prendre des renseignements, vous avez encore un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, pour pouvoir bénéficier du tarif découverte avant le passage à 90 € dès le 1er avril. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? J'ai Soraya qui nous dit, au premier confinement, la méthode des alphas a permis à ma fille d'entrer dans la lecture. C'est la révélation, les alphas. Et puis, future enseignante, elle espère bien utiliser cette méthode en classe très vite. Donc, ça confirme bien les utilisations. Donc, c'est vraiment très, très chouette.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Étienne, est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous avez, ou si vous avez des questions, je peux vous remettre à l'écran. Pour remercier à nouveau Nadège et les éditions Écrit-à-lire de leur participation. Et pour en effet confirmer ce que Nadège a dit, donc on va mettre ça vite sur le site en place, mais d'ores et déjà, ça marche. Donc toute commande fera l'objet d'un petit cadeau des éditions Récréalire, le petit tampon bien apprécié par les plus jeunes, un petit tampon encreur en plus. Donc voilà, les derniers récalcitrants hésitants seront définitivement convaincus par cette histoire de petit tampon. Voilà. Pardon de ma confusion au début, Nadège, vous m'aviez repris gentiment, mais sans avoir l'air d'y toucher, en disant que ce n'était pas du tout une méthode syllabique. Mais vous avez raison, faut être précis. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Donc pardon pour cette. Il n'y a aucun problème, c'est bien. Merci encore à tout le monde. Et puis donc, d'ici quelques jours, on vous renvoie, comme Sabine nous disait au départ, la vidéo, la liste et puis la petite présentation de Nadège. Le prochain webinaire, c'est dans à peu près un mois et on traitera des nouveautés ludiques au sens plus jeu de société avec une orientation pour les ludothèques et les spécialistes du jeu loisir en fait davantage. Voilà, bonne fin d'après-midi à tous. Pour une fois, on n'a pas trop débordé, c'est une sorte de record du monde. Voilà. Tout était bien cadré, bien clair. Ben, merci à vous. Et très précis. Merci encore Nadège. À très bientôt. Merci beaucoup. On vous envoie à très bientôt. Très rapidement le petit replay, le catalogue et toutes les informations. On vous souhaite une belle après-midi. À très bientôt. Au revoir. Bon après-midi, à bientôt. Au revoir.